Bon matin à toutes et tous. Eh bien voilà, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Parce que bon, pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous savez que je termine avec vous le vendredi. Donc nous sommes le vendredi le 28. Voilà, le 28 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie de ce 28 juin, de l'art de se conditionner. Allongé sur son lit, les yeux au plafond, respirez lentement. Vider son esprit des petits tracas qui l'encombrent. Dire maintenant à haute voix, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. J'ai de la chance d'être là où je suis. J'ai de la chance d'être là où je suis. J'ai de la chance d'être là où je suis. Se conditionner ainsi, eh bien, pour le bonheur, il est toujours à portée de main, n'est-ce pas, malgré les imperfections de l'existence, et se sentir déjà mieux. Belle philosophie pour ce 28 juin. Alors aujourd'hui, j'ai pigé, trouvé sa place, je prends la place que je mérite. Ah, c'est trouver sa place. Peut-être que que jusque maintenant, vous n'avez pas trouvé de votre place. Alors, petite question, quelle est votre place présentement? Pour éventuellement la problématique ou la situation que vous vivez aujourd'hui. Où est votre place dans cette problématique qui vous questionne présentement? Alors pour certains d'entre vous, vous devez très certainement vous sentir, allez, comment je vais dire, impuissant actuellement. Et si c'est le cas, eh bien il est grand, grand temps de vous positionner, de prendre la place que vous méritez, en ayant une attitude franche et ferme face à vos convictions, face à vos valeurs, face à vos principes, qui font de vous, eh bien, tout simplement la personne que vous êtes aujourd'hui. Positionnez-vous. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous positionne à la dernière place, par exemple. Il est grand temps que vous preniez place là où vous méritez de vous asseoir et non la place que l'on vous attribue au hasard ou par intérêt. Pourquoi? Par timidité? Par manque de confiance en vous? Vous ne prenez pas votre place? Est-ce que ça a un rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre jeunesse? Quelle est la cause que vous ne prenez pas à l'heure actuelle votre place? Posez-vous cette question, qu'est-ce qui fait que ce soit les autres qui vous attribuent une place que vous ne méritez pas? Reprenez le pouvoir, reprenez le pouvoir de votre vie. Si vous avez des convictions profondes, eh bien, il est grand, grand temps de les exprimer haut et fort, même si les autres, ça ne leur plaise pas. Affirmez-vous. Peut-être que ça ne va pas plaire, mais ça,
ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'autre. Il faut que vous ayez confiance en vous. Et il est primordial qu'aujourd'hui vous preniez votre place. Voilà. Waouh, c'est aussi encore un très beau message, n'est-ce pas? N'attendez pas qu'on vous attribue une place. Prenez-la. Prenez-la, vous êtes aussi vous êtes là aussi. Vous existez. Et montrez que vous êtes là. Vous avez des convictions profondes, alors exprimez-les. Reprenez votre pouvoir. Ça, c'est important, reprendre son pouvoir. Je termine avec l'énergie de guérison et aujourd'hui, j'ai pigé bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, eh bien, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester et je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un magnifique week-end dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, la tolérance, l'empathie, l'altruisme. On se retrouve pour une prochaine capsule et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.